La plus petite île de l'archipel des Mascareignes est située à 660 km au nord-est de l'île Maurice, avec laquelle elle forme une république. Avec ses 110 km², Rodrigue est la seule île du sud-ouest de l'océan Indien à être entourée d'un riche lagon faisant le double de sa superficie. Les Rodriguais, au confluent d'un riche métissage entre marins bretons, colons bourbons en quête de l'Eldorado et descendants d'esclaves, ont développé une culture authentique façonnée par un processus de créolisation. Le visiteur non avisé serait d'ailleurs choqué de constater l'omniprésence de la culture africaine dans une société pourtant christianisée à plus de 95%. Avec ses 36 000 âmes, la population rodriguaise a connu une lente évolution, loin des tribulations du modernisme, ce qui a freiné son développement, mais lui a offert l'avantage de conserver toute son authenticité. L'isolement géographique a eu pour effet que l'approvisionnement en vivres par voie maritime a toujours été irrégulier. Ainsi, la population s'est longtemps consacrée à des activités de subsistance, agriculture, élevage et pêche artisanale. L'île n'a jusqu'ici pas connu un véritable développement économique. La topographie accidentée faisant obstacle à la modernisation des techniques agricoles, la réticence des pêcheurs à délaisser les techniques traditionnelles de pêche et le manque de formation n'ont pas été propices à un réel développement. L'île connaît aujourd'hui un nouveau souffle, grâce à l'autonomie administrative acquise en 2002. Chômage, qui s'est aggravé ces dernières années, a eu pour conséquence l'exode massif des jeunes vers la zone franche mauricienne. Les moins téméraires sont restés au pays pour tenter de survivre grâce à la pratique des rares métiers traditionnels qui subsistent encore. Parmi eux, les pêcheuses de pieuvres. Ici, on les appelle les piqueuses d'ourite. Port sud-est, 6h du matin. Femme courage est déjà debout. Comme à chaque marée propice à la pêche à la pieuvre, elle a rendez-vous avec le batelier qui l'amènera au-delà du chenal où se déroulera son combat pour la conquête du pain, ce petit morceau de mer qui alimente les feux de la vie. Ils sont 1800, pour la plupart des femmes, à assaillir les bancs coralliens à chaque marée basse. Les piqueuses d'ourite, âgées de 15 à 70 ans, viennent de toutes les régions de l'île et convergent principalement vers les villages de Gravier, Anse aux Anglais, Grand Bay, Petite Butte, Baladirou, Mourouc, Songe et Port Sud-Est. Dans ces régions, le lagon est plus propice à l'activité des piqueuses. Le trajet vers le lieu de pêche se fait différemment.
À certains endroits, le récif se situe à 20 mètres du littoral, tandis qu'en d'autres lieux, il est à plus de 5 km. Ici, à Port-Sud-Est, les femmes traversent la Grande Passe et rejoignent des terrains de pêche plus prolifiques. L'humeur est à la détente. Les dernières nouvelles du village sont vite partagées. Donc on est une fois, l'hivernage va rouler pas ta comme. Trois marées nous pas piquer dans la vie là. Va rouler dire comment la charité en l'année temps pas beaucoup de quoi faire là-bas. Moi dire va rouler ça l'étant pas piquer 8 3 mois. Moi dire on va aller comme l'emmener dans des rues ou bout de. Maintenant le temps fait un petit beau temps petit calme. Avec c'est dans la vie tout celle-ci. Nous allons, mon gars, 10 paires. 10 paires, alors mon petit robot, mon petit, maintenant 18 ans. Mon dieu, où est-ce que tu vas vous trouver? 22 ans. 7 mois, 7 mois, 7 mois. Maintenant, ça 10 paires, là, ça dit mon tuyau, mettre le gold qui était. Tout le temps, 6, 7 lits. Dédé ensemble, mon gars, comme ça, mon tuyau, mon gars, comme ça, mon tuyau. Quand mon ami a des paires, mon mettre ça, 8, là, 7, là, 8, là, 7. Alors, il y a 8, 7, là, là-bas, tu restes 8, frère. Nous, bonne fille, ma tante, nous, tu mets 8, 7. Maintenant, là, 8, là, 7, 20 lits. Ça dispère là. Vendé, tu connais qualité au ça qui était ça. Vendé. Bon nao, mon connaît jamais plus au rythme dans la même. La traversée dure une quinzaine de minutes. Trépieuses, les piqueuses confient leur journée de travail au tout-puissant. L'instinct de survie prend tout à coup le dessus. Le groupe, jusqu'ici très uni, se divise. Comme le dit si bien un dicton local, Bef d'Andissab, chacun guette son lisier. L'outil utilisé est très artisanal. Une mince tige de fer pointue pour débusquer la pieuvre dans son habitat, à laquelle est attachée une corde plus connue sous le nom de filoir, servant à enfiler la prise.
La technique de capture a évolué au fil des générations. La décroissance dans la population des céphalopodes a fait naître de nouvelles méthodes, pas toujours orthodoxes. De la fouine, jadis seul outil utilisé, en passant par le bambou, le fer de construction s'est aujourd'hui imposé comme l'outil incontournable. Pratique, flexible et maniable, il s'adapte à tous les types d'habitats. Partons ensemble faire plus ample connaissance avec la pieuvre qui peuple nos eaux. Des deux espèces présentes, l'Octopus cyanea est la plus répandue. Mais peu d'études ont été faites sur ces espèces, et les premiers stades de leur développement restent méconnus. La pieuvre chasse pendant la journée, le matin et l'après-midi, ce qui la rend très vulnérable. On la trouve souvent à moitié immergée dans son trou au petit matin. Son manteau musculaire propulse l'eau à travers l'entonnoir, lui permettant ainsi de se déplacer dans un mouvement de propulsion par réaction. Elle peut aussi ramper sur des surfaces solides à l'aide de ses 8 bras et cracher de l'encre afin de distraire un éventuel attaquant. La pieuvre se distingue par sa capacité à se camoufler. Instantanément, elle peut changer non seulement de couleur, mais aussi de texture et adopter celle de son environnement immédiat. Cela fait d'elle un redoutable prédateur. Elle se sert de ses tentacules pour tâter des trous à la recherche d'éventuelles proies et se nourrit essentiellement de poissons, de mollusques et de crustacés. Dépourvue du squelette, elle a l'avantage de pouvoir se faufiler au travers de cavités inaccessibles aux vertébrés. Contrairement aux poissons qui peuvent se reproduire tout au long de leur vie et deviennent de plus en plus féconds avec l'âge, la pieuvre, elle, ne peut procréer qu'une seule fois durant sa courte existence. La femelle meurt environ un mois après avoir pondu entre 600 et 1200 œufs. Elle peut atteindre un poids maximal de 6,5 kg, mais en moyenne, elle pèse 639 grammes. Le poids à maturité est d'environ 300 grammes pour le mâle et 700 grammes pour la femelle. Les pieuvres sont donc pêchées jeunes à Rodrigue.
Ces dernières années, la pression sur le lagon s'est fortement accentuée. Le nombre des piqueuses d'ourite n'a cessé de croître et le céphalopode est traqué sans merci. À chaque marée, le contingent de nouvelles recrues accentue la pression déjà forte sur un lagon qui ne respire plus. Les prises diminuent d'année en année. En plusieurs endroits de l'île, le lagon n'est plus qu'un cimetière. Les coraux sont quotidiennement piétinés, soulevés, déplacés, écrasés, ce qui détruit l'habitat de la faune sous-marine. Les coraux constituent les organismes fondamentaux du récif. Bien qu'ils ressemblent à des formations rocheuses, ce sont en fait des animaux formés de milliers de polypes. Le récif corallien abrite une extraordinaire diversité d'espèces. Elles ont établi entre elles des relations très sophistiquées. Des coraux aux poissons, en passant par les algues, les mollusques et les crustacés, ces nombreuses espèces dépendent directement les unes des autres pour leur nourriture et leur survie. C'est le résultat d'une évolution plusieurs fois millénaire. Les coraux procurent de la nourriture et, de par la grande variété de leurs formes, fournissent des abris à des milliers d'espèces. Cette complexité du récif se traduit par une grande fragilité. C'est un milieu facilement déstabilisé par des perturbations extérieures. La mort des coraux signifie la disparition ou la fuite de très nombreux animaux. Outre les agressions humaines, les causes naturelles sont également responsables de la destruction du récif corallien. En 2002, 75% des coraux sont morts dans la région nord, à l'ouest de Port Mathurin, en raison du réchauffement climatique. Les coraux branches mettent 2 ans à pousser de 5 cm. Celui qu'on surnomme « corail la cervelle » met une 50aine d'années à atteindre la taille d'un ballon de football. Un seul geste irréfléchi, et c'est le lent travail de la nature qui est détruit. Certains pêcheurs ne mesurent pas les conséquences de leurs actes destructeurs. Chaque cavité susceptible de contenir une proie est exploitée. Tout ce qui peut être consommé, utilisé ou revendu est emporté, même les espèces protégées. La pêche sous-marine, pourtant interdite, est toujours pratiquée. La fouine, outil indispensable à la pêche à la pieuvre, est souvent utilisée comme marteau-piqueur. Là.
En l'absence d'une loi limitant la taille de la pieuvre pouvant être pêchée, les jeunes ourites ne sont pas épargnés. Une autre pratique destructrice consiste à déplacer des coraux pour former des barrages, afin de piéger de jeunes poissons dans des bassins d'eau à marée basse. Cette technique est communément appelée « fair drill ». Ces pratiques destructrices viennent se greffer à d'autres menaces. Parmi elles, l'érosion et l'utilisation intempestive de pesticides. Le lagon se remplit. Les piqueuses se hâtent de regagner les barques. La pêche dure en moyenne 2 heures par jour. Le temps pour l'océan de reprendre ses droits. La prise a été bonne. Ourite intombé, comme on dit dans le jargon du métier. S'empresse de se diriger vers les bagnons pour la peser. Ces acheteurs travaillent pour de plus gros commerçants. 20 roupies la livre, c'est le prix pratiqué. Ici, on dit que les bagnons font la pluie et le beau temps. En période de surabondance, ils n'hésitent pas à baisser le prix d'achat. Le salaire est maigre. 2000 roupies en moyenne, c'est ce que gagne une piqueuse chaque mois. Après la pesée, il faut se tourner vers le garde-pêche pour faire enregistrer sa présence afin de conserver sa carte de pêcheur professionnel et garantir ainsi ses allocations en cas de mauvais temps. La piqueuse ne perçoit ses indemnités que si elle a travaillé au moins la moitié des jours de beau temps. Parfois, les piqueuses gagnent plus d'argent avec les indemnités qu'avec la pêche elle-même. Souvent accusée de la destruction de l'écosystème, la communauté des piqueuses d'ourites s'en défend. La pêche à la pieuvre ne demandant pas de gros investissements, il est aisé pour le chômeur de s'y consacrer. Privé de l'éducation la plus élémentaire et n'ayant reçu aucune formation, la plupart de ces piqueuses d'ourites suivent leur instinct de survie.
les emplois dans les autres secteurs économiques sont rares. La pêche à la pieuvre constitue l'un des principaux refuges des sans-emploi. Pour gagner un peu plus d'argent, les piqueuses se tournent vers d'autres activités de subsistance. Aujourd'hui, le lagon de Rodrigue s'essouffle. Des efforts sont faits pour remédier à cette situation. La commission responsable des secteurs de la pêche, de l'environnement et de l'agriculture ne délivre plus de cartes de pêcheurs à l'intérieur du lagon depuis 2002. D'autre part, des projets alternatifs sont mis en place. Le département Fisheries Research and Training Unit, responsable de la recherche et de la formation, anime depuis quelque temps des ateliers. Leur but, former des pêcheurs à la pêche en haute mer. Là, on est sur le radeau de Grenade, qui est placé à 6,9 milles nautiques de la côte, et profondeur 400 mètres. Position 19 à 35 et 63 à 30. Ça fait ? Par ailleurs, des ONG telles que Scholes Rodrigues mettent en place des programmes éducatifs afin que dès leur plus jeune âge, les Rodriguais puissent utiliser au mieux les ressources marines de leur pays. Habitués à une activité harassante, sont fiers de leur métier. Pourront-elles un jour l'abandonner et tenter de se reconvertir? Ami, une piqueuse ayant à cœur son métier, nous répond. Bon, enfin, on va trop d'accord ça peine ou là qu'on connaît faire, parce qu'il connaît là depuis lundi, moulo la main là, jusqu'en. Si la main là dit pour venir jusqu'en lundi procès, mon peut venir. Parce que tous les jours, mon peut gagner mon un petit casse là. Si le gouvernement fait lui, nous a fait, nous accepter. Nous pas l'autorité concernée, nous là, comment dire, en la cour de l'attente. Mais nous pas capable de rien. Mais c'est moi qui m'a dit, moi, lui fait un PC au rythme, lui bizarre, roden un travail pour lui mettre sa bande piquée là. Franchement, vérité, je dis, je vais vous donner un avis de bonnes affaires artisanales. Parce qu'ils connaissent ce qu'ils font. Parce que depuis mon lever, je commence à travailler, mon travail dur pour gagner mon vie. Mais les bonnes affaires dormir, c'est pas fait, tu crosses là. Je vais prendre la vie là-dedans. Ce n'est pas qui pour faire, ce n'est pas qui est bonnes affaires, et puis ça, c'est ça, là. Je vais gagner mon vie là-dedans. Il faut dire, donne-nous notre travail si le gouvernement fait ça, la personne. Une cause, hein. Adèle, donne-nous notre travail. Une fois, il va tout nous.
casser le poste pour la mer. C'est l'idée précise qu'il a béni sur la gomme à péter. Jimmy, mais casser le poste pour la mer. Théorie qui donne la piste, la même ou qui est sous famille. Tous les jours, ça même les causer, ça même les consommer. Senti poisson qui donne la piste, la même poisson qui est sous famille. La même peut donner la force, courage pour continuer. Protège nous la gomme multicolore. Avec ça même, nous ne pouvons pas faire l'eau. Redistriction, la vie marine. Protège-nous la gomme multicolore. Avec ça même, nous ne pouvons pas faire l'eau. Pour nous enfants, vivre un bon lendemain. Dans la petite rose, c'est la paix. Toute haute qualité. La ligne casse piqué, sans même sur la vie. L'espoir dans l'horizon qui pise et prend conscience. Protection sur la gomme, éducation sur enfants. Sa théorie qui donne la vie, sa même au rythme sa famille. Les jours, sa même les casser, sa même les consommer. Sa petit poisson qui donne la vie, sa même poisson qui sa famille. Et donne-lui la force, courage pour continuer. Ça même peut donner la force, courage pour continuer.